Aujourd'hui, les communications sont très perturbées et les vols commerciaux ont tous été annulés. Si pour certains... L'offensive d'une tête, c'était le début de la fin. C'est là qu'on a commencé à perdre la guerre. C'est dans l'enceinte du McPhee à UV que tu es entré en contact avec le transfuge russe. Ah non! On sait que si! Il s'est livré lui-même au McPhee. Tu y étais, Mason. Il savait tout sur Dragovich. Vraiment tout. Mais c'était peine perdue. Ferme ta gueule! La LV avait encerclé la ville. Le McPhee était pratiquement rasé. Le transfuge était sûrement mort. Il n'était pas mort! C'était perdu d'avance, mais tu y es allé. Pourquoi? Ses anges gardiens répondaient plus. Je pouvais pas accepter sa mort. Je le vous laisse, putain de dossier! La ville tuée. C'est là que tout a commencé à se jouer pour toi, Mason. Le transfuge. Enceinte du McVie en vue. Vous mettez les pieds dans un beau merdier, Woods. On vient récupérer un transfuge et des infos vitales sur le rôle des Russes au Vietnam. On a perdu l'équipe de protection. On pourrait se cacher dans la pièce blindée du McVie. On le trouvera, les zombies. Tenez bon, je vais siffler. Les incendiaires. Où est-ce qu'on va, Mason? Lima 9, j'ai un contact visuel avec X-Ray. Il y a des viettes sur toutes les zones, Woods. Allume-les, Oman. Lima 9, en approche. X-Ray, restez à couvert. X-Ray, tout est OK. Allez, en avant. Dégagez de là! Allez! Bowman, angle nord-est! On est en route! Il est à terre! Nabdi! Napson! Cible à terre! À couvert, vite! X-ray, on pénètre par le toit! Le bâtiment est envahi! Le centre est à l'étage en dessous! Le transfuge a survécu à l'attaque? Si c'est le cas, c'est un putain de scoriace! Bowman, qu'est-ce qu'il raconte? Partout, ils exécutent les civils. Votre collaboration avec les Américains vous condamne. À terre! Tirez pas n'importe où, soldat! Bowman, qu'est-ce qu'il raconte? Partout, ils exécutent les civils. Votre collaboration avec les Américains vous condamne. À terre! Humaxi! C'est quoi votre problème? Merde! X-Ray, ici Lima 9. Si vous ne partez pas bientôt, vous serez bloqué. L'ANV a envahi toute l'aile nord. Bien sûr, Lima 9. On se met en route. La pièce blindée est droit devant. Molotov! La fenêtre! La pièce blindée est en bas! Contact à terre! Jordan, venez! C'est bon! La pièce
blindé est touché. Cible à terre. Compris. Où est ton contact? Ils ont dû se replier vers la salle de commandement. Il est peut-être encore en vie. Allons-y, avec moi. Les pièces blindées sont de l'autre côté de la salle d'opération. Reste à couvert, Mason. Il est à terre. Attention où vous tirez. L'ennemi à terre. Je l'ai. Restez à couvert. Limanov, au rapport. X-Ray, la NV a repris la partie sud du Magfi. Vous êtes encerclés. Merde. Ouais, bien reçu, Limanov. Va falloir vous remuer le cul si vous voulez une évacuation. On y va. Il doit être dans une de ces salles. Mason, prends la porte au fond du couloir. Bowman, avec moi. Mason. Reznov. Comment t'as quitté Vorkuta? Je pensais pas te revoir un jour. Moi non plus, mon ami. J'ai une information que votre chef ferait bien de prendre au sérieux. Dragovich prépare une attaque contre l'Occident. Mason, tu vois ce que tu venais chercher? Dragovich, j'étais sûr qu'on le reverrait. Son influence gagne comme un cancer. Même le Kremlin ne sait pas ce qu'il prépare vraiment. Il faut l'arrêter, Mason. Dragovich, Steiner, Kravchenko, ils doivent mourir. Ils sont avec quoi? Wood, Roman. Je suis Reznov. Victor. Qu'est-ce que tu foutais, Mason? J'espère que l'info vaut le coup. Limanov, où est notre foutu transport? X-Ray, attention. Les troupes de marine sont engagées le combat à l'ouest du Magfi. Rejoignez le point de ralliement Delta, 2 clics au nord sur la rivière. On y arrivera. Soyez là-bas. Pour un soutien aérien pour cette ferme. Carte Texas, ici 1-5. Demandons un peu aérien urgent sur 7. Hey, arrête. Donne-moi la radio. Vous êtes au GOS? Moi, juste la radio. Bonne chance avec ça. Texas, ici Sierra, Oscar, Golf, X-Ray. Bombardement prioritaire sur mon ordre. Authentification Golf Shoe, à vous. Texas en approche. C'est bon de se battre à nouveau à cette montée. Texas en approche. Cible à
Reznov était à huer. Que c'était lui le transfuge. Il revenait pour toi, Mason. Reznov était de retour. Ah, toujours vivant, l'ami. Ça va. Mason! Ça va, mec? Toujours vivant. On se revoit au point de ralliement. Il est mort. Charge, charge, couvrez-moi.
Il est à terre! C'est des Charlie dans le jardin, 1-0! Encore combien de temps? Environ 3 secondes! Recule! C'est bon! Prêt, RS9! Bon travail, Messa! Voilà notre taxi! Je suis pas si sûr. Prenons d'abord les blessés. D'autres oiseaux arrivent, patientez. X-ray, fin de soutien aérien, le temps d'évacuer les blessés. Va falloir attendre! Tout le monde sur mue! Sécurisez-moi cette Zeta! Mason, pose des charges sur tout le périmètre! Prenons d'abord les blessés. D'autres oiseaux arrivent, patientez. Ils arrivent! Au sud-est! De l'ennemi vient peut-être de son tout nouvel allié. On a
le dossier que le transfuge a remis aux Matrix. On est au courant. On a identifié les hommes de Dragovic, Kravchenko, Clark, Steiner. Tu les connais, les cerveaux du projet Nova. Nova 6. Reznov l'appelait Nova 6. Dragovic. Que sais-tu sur le professeur Clark? On sait que Clark est l'ingénieur chimiste qui a aidé à la conception du Nova 6. Un type narcissique, un prodige dégénéré. Nos contacts, Jason Hudson, est allé à Kowloon interroger Clark. Tu te rappelles? Pourquoi vous demandez? Vous connaissez les réponses? Non, Mason, on ne comprend pas les nombres. On ne sait pas du tout d'où ils sont émis. Et si vous demandiez à Hudson? Kowloon, c'était sa mission. C'est lui qui interrogeait Clark.